Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, si vous avez le petit carré rouge ici, ça veut dire que vous êtes en direct avec moi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous répondrai via la vidéo. Et sinon, si vous n'avez pas le petit carré, ça veut dire que vous êtes en replay. Donc, vous mettez vos questions en commentaire et je répondrai avec plaisir sous la vidéo. Donc, je vous retrouve aujourd'hui parce que on va faire le teint ensemble et je vais vous proposer une sélection de produits avec notre Qdos, donc avec des produits remisés au niveau du teint. Donc, j'ai sélectionné trois produits pour le teint. Pour moi, des indispensables. Donc, la base, le fond de teint. Donc, vraiment, là, c'est une sélection que je vous fais pour vous, mais vous pouvez voilà, moduler comme vous voulez. Et ensuite, la poudre fixatrice. Donc, ces trois produits, si vous les choisissez, vous avez déjà une économie de moins 15%. Donc, pour moi, c'est vraiment des produits indispensables. C'est pour ça que j'ai fait cette sélection. Pour vous donner, je vais essayer dans plusieurs vidéos, vous donner des idées pour confectionner, personnaliser le Qdos en fonction de thèmes ou de ce que vous pouvez rechercher. Donc là, on va partir sur le teint. Donc là, je vais commencer par ma base, puisque le fond, le avec pour avoir un beau teint, on commence toujours par une base. Donc là, je vais utiliser ma base matifiante. Donc j'utilise une petite noix comme ça. Elle en applique sur mon visage. Donc la base matifiante, pour moi, elle est vraiment indispensable l'été parce qu'elle va venir vraiment réguler votre sébum. Si vous avez chaud, vous avez tendance à briller, tout ça, elle est vraiment top. Elle est à base de champignons des neiges. Donc ça absorbe vraiment votre sébum et tout ce qui peut être gras à votre peau quand elle graisse dans la journée. Donc je laisse bien pénétrer ma base. Et ensuite, moi, je vais partir sur un fond de teint stick. Mais voilà, si vous n'aimez pas les fonds de teint stick, vous avez envie de partir sur une BB crème, dans ma sélection, ça marche très bien. Si vous voulez partir sur un fond de teint liquide, ça marche aussi. Un fond de teint compact, vraiment, c'est vous qui modulez comme vous voulez. Moi, je vous propose une sélection. Donc là, j'ai mis ma base et maintenant, je vais partir sur mon fond de teint stick. Donc, le fond de teint stick, faut savoir que il n'est pas destiné vraiment aux peaux grasses. Il est destiné plutôt parce qu'il est crémeux en fait. Donc si vous avez la peau grasse et que vous avez tendance à briller, je ne vous le conseille pas. Par contre, pour les peaux sèches à mixte, vraiment c'est un produit que je conseille. Parce qu'il est vraiment top. Vous modulez vraiment votre couvrance comme vous voulez. Donc là, vous voyez, vous faites des petits traits comme ça et après avec votre pinceau, vous venez tout estomper. Voilà. Donc vous voyez, il a une super couvrance déjà. Il s'applique super bien et vraiment, si vous voulez couvrir un peu plus, vous en rajoutez. Vous pouvez très bien vous en servir aussi en contouring du fond de teint stick. Il est top. Voilà. Donc là, j'ai mis mon fond de teint et maintenant, je vais venir poudrer avec la poudre Behold. Qui se présente comme ça, donc il faut savoir que c'est une poudre qui va pas changer la couleur de votre teint, elle est vraiment transparente et elle va vraiment venir fixer votre teint et vraiment matifier votre peau et voilà, elle va vous aider à tenir votre fond de teint toute la journée. Donc vous prenez un peu de poudre, vous enlevez le surplus et là vous venez tapoter. Vous venez tapoter. Donc, si vous avez tendance à briller sur la zone T, vous venez insister au niveau de la zone T. Si vous avez la peau grasse, vous venez en mettre de partout. Et si vous avez la peau sèche, il vaut mieux partir sur ce type de fixateur, donc la brume en fait. Parce qu'on évite des textures poudrées pour les peaux sèches.
Voilà, donc là dans ma sélection, je vous ai mis ces trois produits, donc la base, le fond de teint et la poudre fixatrice. Et là, vous avez déjà une économie de moins 15%. Donc j'ai fait le calcul et vous économisez 19 euros en choisissant ces trois produits dans votre sélection. Et vous avez quand même un combo de produits qui vous fait, enfin, je ne sais pas si vous voyez avant-après, ça vous fait vraiment un beau teint. Déjà, vous avez de quoi faire pour avoir un joli teint. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours s'offrir tous les produits, la base, plus le fond de teint, plus la poudre fixatrice. Donc là, ce qui est vraiment intéressant dans le Qdos, c'est que vous pouvez ajouter des produits et plus vous ajoutez et plus vous avez de remises. Donc là, je vais continuer. Donc là, vous aviez une économie de moins 15% avec ces trois produits. Donc vous gagnez 19 euros sur ma sélection. Et là, si vous rajoutez le correcteur, on passe à une économie de moins 20%. Donc vous gagnez 30 euros sur la sélection de ces quatre produits. Vous voyez que plus vous rajoutez en fait et plus vous avez des remises. Donc là, si vous prenez la base, le fond de teint, la poudre fixatrice et le correcteur, vous faites une économie de moins 30 euros 40 exactement. Donc là, vous allez voir, je prends un petit peu de correcteur sur ma main. Je prends mon pinceau et là, je viens l'appliquer. Alors, normalement, on fait cette étape avant, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'en rajoutant des produits, je voulais vous faire une sélection, donc c'est vrai que du coup, je le mets après. Je vais venir repoudrer derrière, mais normalement, ça se met avant. Donc là, je viens illuminer mon teint, mon dessous de l'œil, au niveau de mon creux interne. C'est là où vraiment on a la partie la plus sombre de l'œil, donc c'est vraiment important de venir éclairer son dessous de l'œil. Voilà, donc j'utilise toujours ce petit pinceau que j'adore. Et là, je prends ma petite éponge, et vous voyez, je me sers de la brume fixatrice pour humidifier l'éponge, et là, je viens fixer le correcteur. En tapotant bien. Donc on a l'impression que c'est clair, mais une fois qu'on a on l'a bien fondu avec l'éponge, ben en fait ça se fond très bien avec le teint. Donc là, je vais utiliser les 4 produits avec la remise de moins 20%, donc moins 30 euros sur la remise. Donc je viens fixer parce que comme je vous disais, normalement, ça, je le fais avant, mais c'était pour vous montrer qu'en rajoutant un correcteur, vous avez 11 euros de plus en remise. Voilà, ça va déjà mieux mon teint. Et ensuite, je viens rajouter à cette sélection de produits mon blush pour donner de la couleur à mon teint. Donc là, je suis aux 5 produits. Donc la base, le fond de teint, le correcteur, la poudre Behold et le blush. Donc là, vous avez de quoi faire pour avoir vraiment un super teint. Et là, vous avez donc une économie de moins 45 euros parce que vous avez moins 25%. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup si vous avez envie de vous prendre plusieurs produits, de partir en fait sur le Qdos et de moduler vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, moi, je vous fais la sélection, bien sûr, c'est sur le teint, mais vous pouvez prendre tout ce que vous voulez sur le site, hormis la gamme Nuology, donc la gamme de soins. C'est vraiment basé sur le maquillage. Et vous pouvez tout à fait changer le fond de teint et mettre un fond de teint compact ou mettre même un mascara ou je sais pas, vraiment vous moduler comme vous voulez. Moi, j'ai juste fait cette vidéo et cette sélection pour vous donner des idées. Donc, vous voyez que ça va bien mieux avec tout ça. J'ai un super joli teint. Je suis prête pour la journée et normalement, je ne vais pas briller avec
ma base et ma poudre Behold. Après, il faut savoir que si vous n'aimez pas mettre du fond de teint, surtout l'été, il y en a beaucoup qui n'aiment pas mettre du fond de teint. Donc évidemment, il y a la bébé crème, c'est plus léger. Mais si vous n'aimez pas mettre du fond de teint, vous pouvez très bien mettre la base et vous pouvez mettre ça derrière sans fond de teint. Donc là, au moins, vous avez l'assurance de ne pas briller. Vous gardez votre bronzage, si vous êtes bien bronzé, vous mettez votre base. Donc elle va venir matifier, vous la laissez pénétrer, vous venez matifier avec un pinceau et la poudre Behold qui est transparente, donc elle ne va pas colorer votre teint. Et vous avez un teint qui ne brille pas de la journée, voilà, vraiment. Et vous n'avez pas utilisé de fond de teint. Donc c'est vraiment important à savoir aussi que vous pouvez utiliser ces produits sans fond de teint. Voilà, ben j'espère que ma petite sélection vous plaira. Donc je vous rappelle, pour la base, pour le fond de teint et pour la poudre, il y a 3 produits, donc moins 15%, donc une économie de 19 €. Si vous rajoutez le correcteur, vous avez moins 20% et vous avez une économie de 30,40 €. Et si vous rajoutez le blush, vous avez 5 produits, donc moins 25%. Et vous avez une économie de moins 45 €. Donc moi, je trouve ça vraiment, vraiment super sympa, cette offre. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite et je vous donnerai d'autres idées sur comment personnaliser ce kudos pour qu'il vous corresponde le plus. Et je vous dis à très vite. Bye bye.